Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre collègue. Je vous propose deux places pour un spectacle auquel je ne pourrai pas aller. Vous me posez des questions pour savoir si ce spectacle vous intéresse. Une autre tâche 2. Je suis votre voisine. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier avant mon départ. Vous me posez des questions pour savoir si cet meuble vous intéresse. Tâche 3. Dans une entreprise, tout le monde devrait avoir le même salaire. Que pensez-vous de cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les deux jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je suis votre collègue. Je vous propose deux places pour un spectacle auquel je ne pourrai pas aller. Vous me posez des questions pour savoir si ce spectacle vous intéresse. Voici quelques propositions de questions. Quelle est la date du spectacle? À quelle heure commence-t-il? Où se déroule le spectacle? Quel est le nom ou le titre du spectacle? De quel genre ou style de spectacle s'agit-il? Qui est l'artiste principal ou les principaux artistes impliqués? Quelle est la durée approximative du spectacle? Y a-t-il une particularité ou un thème spécifique associé au spectacle? Pourriez-vous me donner une brève description de l'intrigue ou du contenu du spectacle? Quelle est la capacité de la salle où aura lieu le spectacle? Y a-t-il des critiques ou des avis positifs sur ce spectacle? Quel est le prix habituel des billets pour ce spectacle? Y a-t-il des restrictions d'âge pour assister à ce spectacle? Est-ce que des places sont encore disponibles? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je suis votre voisin ou voisine. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier avant mon départ.
vous me posez des questions pour savoir si cet meuble vous intéresse. Voici quelques propositions de questions. Quel meuble souhaitez-vous vendre exactement? Quel est l'état général de ces meubles? Sont-ils neufs, légèrement usés ou en mauvais état? Pourriez-vous me donner une estimation du prix que vous demandez pour chaque meuble? Quelles sont les dimensions de la table? Combien de chaises vendez-vous et quel est leur style? Quelle est la taille de la télévision et quelle est sa marque? Pouvez-vous me donner des détails supplémentaires sur le canapé, comme sa taille, son matériau et son état? Y a-t-il d'autres meubles ou articles ménagers que vous souhaitez vendre? Avez-vous des photos des meubles que vous pouvez partager? Où se trouve actuellement le mobilier? Devrais-je organiser le transport moi-même? Y a-t-il des dommages ou des défauts notables sur les meubles? Avez-vous déjà fixé une date limite pour la vente des meubles? Acceptez-vous les négociations de prix? Disposez-vous de tous les documents nécessaires à la vente des meubles, tels que les factures d'achat d'origine? Je vous remercie. Tâche 3. Dans une entreprise, tout le monde devrait avoir le même salaire. Que pensez-vous de cette affirmation? Bien que l'égalité des salaires puisse sembler juste et équitable, je ne partage pas l'idée selon laquelle tout le monde devrait avoir le même salaire au sein d'une entreprise. À mon sens, la rémunération devrait plutôt reposer sur des critères tels que les compétences, les responsabilités, les performances et la valeur ajoutée à l'entreprise. Différencier les salaires en fonction de ces facteurs permet de reconnaître et de récompenser les employés pour leurs contributions individuelles. Cela peut servir de motivation pour les employés à développer leurs compétences, à améliorer leurs performances et à s'engager davantage dans leur travail. De plus, cela peut attirer et retenir les talents les plus qualifiés en offrant des incitations financières appropriées pour des postes plus exigeants ou nécessitant des compétences spécialisées. L'idée de rémunération équitable ne signifie pas nécessairement une égalité absolue des salaires. Il est important de tenir compte des différences de responsabilités et de compétences entre les employés. Par exemple, un cadre supérieur qui prend des décisions stratégiques et dirige une équipe peut raisonnablement s'attendre à une rémunération plus élevée qu'un employé occupant un poste moins exigeant. De plus, l'égalité des salaires pour tous peut créer des déséquilibres internes et nuire à la motivation des employés les plus performants. Si les employés ne voient pas de différence significative entre leur salaire, cela peut diminuer leur sentiment de reconnaissance et de valorisation et éventuellement affecter leur engagement et leur productivité. En résumé, la rémunération dans une entreprise devrait être établi en fonction des compétences,
des responsabilités et des performances individuelles. Cela permet de reconnaître les contributions uniques des employés et de maintenir un environnement de travail motivant et équitable. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!